بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا لتعليم اللغة الفرنسية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. هذا الفيديو خاص بتلاميذ السنة الرابعة متوسط حل امتحان شهادة تعليم متوسط دورة 2019. فلنبدأ على بركة الله. Le texte. De nos jours, les jeux vidéo font partie de l'univers des enfants. في هذه الأيام ألعاب الفيديو تعتبر جزءا من عالم الأطفال souvent dès leur plus jeune âge غالبا منذ سنهم المبكر. Les enfants ont accès à ces jeux sur différentes plateformes. الأطفال يدخلون إلى هذه الألعاب على عدة منصات من خلال عدة منصات l'ordinateur, les consoles de jeux mais aussi les tablettes et les téléphones portables. L'ordinateur الحاسوب, les consoles de jeux, مركبات اللعب, mais aussi les tablettes, أيضا les tablettes et les téléphones portables, والهواتف النقالة. Il est alors important d'en encadrer l'usage. إذا من المهم تأطير الاستعمال, car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges. لأن بعض ألعاب الفيديو تحمل أخطار et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. التي تستطيع أن تضر بتطور وصحة الطفل. D'abord, لهنا راح نبدأ ونمدو في les arguments. D'abord le premier argument, ensuite le deuxième, enfin le dernier. Les arguments هما الحجج. لهنا راح ندافعوا على الرأي تاعنا باستعمال الحجج باه نقنعوا لإقناع القراء. D'abord, lorsqu'un enfant passe du temps devant un écran, أولا عندما يقضي طفل وقت كل وقته بجانب مقابل شاشة, il ne consacre pas ce temps à bouger et à s'activer physiquement. Donc, لا يقضي هذا الوقت في الحركة والنشاط البدني. Ensuite, la luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé. بالإضافة إلى هذا, الضوء المنبعث من مختلف الشاشات يترك الدماغ مستيقظ. Il est donc recommandé d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé avant le coucher. إذن ينصح بعدم استعمال الشاشات في المساء وتجنب استعمالها قبل النوم. Que l'enfant soit exposé, لا يتعرض الطفل إلى الشاشة قبل النوم, avant le coucher. Enfin, quel que soit le type de jeu vidéo, مهما كان نوع اللعبة, le risque de développer une dépendance est toujours présent. خطر الإدمان دائما موجود. Et au-delà du nombre d'heures passées devant l'écran, certains comportements constituent des signaux d'alerte pouvant indiquer une dépendance. Quel que soit le nombre des heures passées devant l'écran, مهما كان عدد الساعات التي يقضيها الطفل أمام الشاشة, certains comportements constituent des signaux d'alerte pouvant indiquer une dépendance. بعض التصرفات تشكل إشارة خطر على أن الطفل أصبح مدمن. Niveau de stress élevé, التوتر المرتفع, agitation à l'école, فوضى في المدرسة, présence du cauchemar fréquent, الكوابيس الدائمة, et irritability, يكون الطفل متهيج. Il est donc important de surveiller de près le contenu des jeux vidéo auxquels joue l'enfant. يجب مراقبة محتوى الألعاب التي يلعبها الطفل. De nombreuses études, عدة دراسات, font d'ailleurs un lien entre la violence de certains jeux vidéo et les comportements que l'enfant peut adopter par la suite.
عدة دراسات تثبت بالعلاقة بين لا فيولونس دو سيغتان جو فيديو، العنف الموجود في الألعاب الفيديو، اي لي كومبورتمون كو لونفون ادوبتي، والتصرفات الجديدة اللي ظهرت عند الطفل. لو ريسك او جو فيديو فيولون اي d'apprendre à l'enfant que parmi les solutions à un problème, plusieurs comportements violents sont possibles. العب الفيديو العنيفة راح apprendre تعلم الطفل que parmi les solutions بأن العب الفيديو العنيفة تعلم الطفل باللي يحل المشاكل بعض المشاكل هو العنف، استعمال العنف لحل المشاكل. راح تعلمه إمكانية استعمال العنف لحل مشاكله. هذا النص يهدر على أضرار ألعاب الفيديو، فيه تخواز أرغيمون. Donc, on va passer aux questions. La compréhension de l'écrit. Recopie la bonne réponse. Ce texte parle des jeux de vignettes, de devinettes, ألعاب الألغاز, des jeux vidéo, ألعاب الفيديو, des jeux de construction, ألعاب التركيب. Ce texte parle des jeux vidéo. Ce texte est de type narratif à visée argumentative, explicatif à visée argumentative, descriptif à visée argumentative. دائما un texte qui confie des arguments, la visée tarot c'est argumentative. L'hadaf min hada texte huwa présenter des arguments et argumentative. En quatrième année, toujours la visée est argumentative. La visée ma tetbeddelch. Sana kamel rah ntqraw la visée argumentative. Le type huwa mushkil fi type. Le type du texte noua nass rah yetbeddel ala hasab wach rah yedir l'auteur du texte. Narratif qui, إذا كان يقصص يمد قصة. C'est un texte narratif. إذا كان si il explique يمد شرح. C'est un texte explicatif. Descriptif فيها وصف. لهنا le texte. L'auteur explique les dangers des jeux vidéo. Donc c'est un texte explicatif à visée argumentative. Relis le texte puis complète le tableau suivant. La thèse, argument 1, argument 2, argument 3. Donc, on va relever la thèse défendue par l'auteur et les arguments. Ici, la thèse donne toujours dans la première partie. De nos jours, les jeux vidéo font partie de l'univers des enfants, souvent dès leur plus jeune âge. لهنا il parle du thème. لهنا au début il va présenter le thème. على واش راح يهضر. Les enfants ont accès à ces jeux sur différentes plateformes, ordinateur, les consoles de jeux, mais aussi les tablettes et les téléphones portables. لهنا من نبدا la thèse. Il est alors important d'en encadrer l'usage. يجب la thèse القضية المدافعة من طرف الكاتب هي يجب مراقبة تأثير استعمال لي جو فيديو par les enfants. Il est alors important d'en encadrer l'usage car certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. C'est la thèse présentée. Il est alors important حتى la santé de l'enfant. Les arguments. Lerna d'abord, l'auteur va donner le premier argument. Ensuite, le deuxième, enfin, le troisième. Là, on a les trois parties, hezo, firom les arguments. Le premier argument, c'est lorsqu'un enfant passe le temps devant un écran, il ne consacre pas ce temps à bouger et à s'activer physiquement. L'enfant ne bouge pas et ne s'active pas physiquement lorsqu'il passe le temps devant un écran. Donc, c'est le premier argument. Lorsqu'un enfant, hatta physiquement. Ensuite, la luminosité. Le deuxième argument, la luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé. C'est le deuxième argument. Le dernier, quel que soit le jeu vidéo, le risque de développer une dépendance est toujours présent. C'est le dernier argument.
Réponds par vrai ou faux. Il est déconseillé d'utiliser les écrans avant de dormir. La yun sahbi istemel chachat qabl an-nom. Vrai. L'utilisation abusive des écrans nuit à la santé de l'enfant. L'istemel mufrit. Les chachat yudhir bi sihhat at-tifl. Vrai. On peut utiliser les écrans pendant trop longtemps. Nastati' istemel chachat للمدة طويلة. Faux. Il ne faut jamais utiliser les écrans. لا يجب استعمال الشاشات. Faux. Recopie la bonne réponse. Certains jeux vidéo peuvent nuire au développement de l'enfant. بعض l'expression souligner signifie. هذا التعبير المسطر معناه l'expression c'est nuire au développement de l'enfant. مضرة بتطور الطفل. وش معناتها favoriser le développement de l'enfant, accélérer le développement de l'enfant, mettre en danger le développement de l'enfant. لهنا favoriser تساعد على نمو الطفل, accélérer تسرع من نمو الطفل, mettre en danger le développement de l'enfant, تضع في خطر تطور الطفل. La dernière, c'est la dernière réponse, mettre en danger le développement de l'enfant, c'est la meilleure réponse. Relève du texte trois mots ou expressions appartenant au champ lexical de jeux vidéo. Le champ lexical, الحقل, le champ lexical, الحقل, المفردات, la مفردات. لهنا le champ lexical, كلمة اللي ينتميو نفس الحقل, le champ lexical, يكونوا عندهم لو ميم تام نفس الموضوع. لهنا لي جو فيديو باغ اكزومبل عندنا لا تابليت لورديناتور لي كونسول دو جو. هادو هما لي تخوا مو. إليا بليزيوغ مو دون لو تيكست مي هادو هما لي مو لي بلو بروش لي جو فيديو. دون لا فراز إلي امبورتون d'encadrer l'usage des jeux vidéo car certains d'entre eux comportent des risques. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Il est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo car certains d'entre eux comportent des risques. L'articulateur car il exprime, cet articulateur exprime la cause. Donc, le rapport logique exprimé dans cette phrase, c'est la cause. Remplace car par un autre articulateur de ton choix. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, parce que, puisque, vu que. Il est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo parce que certains d'entre eux comportent des risques. N'avouera parce que. Relève du texte. Une proposition subordonnée relative, une proposition subordonnée complétive. Relative, ma'naha, est la relation par une proposition subordonnée principale, subordonnée par rapport à une principale. On va revenir au texte. Lahna. La proposition subordonnée relative il est alors important d'en encadrer l'usage car certains signaux certains jeux vidéo comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant là qui peuvent nuire au développement à la et à la santé de l'enfant, c'est une proposition subordonnée relative. Les pièges, comment ces pièges et ces risques, qui peuvent nuire au développement et à la santé de l'enfant. Proposition subordonnée, ça dit c'est la proposition subordonnée relative. La deuxième, la proposition subordonnée
Completive. Là, on a la completive dans cette partie. Elle est donc recommandée d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter quoi? Que l'enfant soit exposé avant de coucher. Que l'enfant, c'est une proposition subordonnée completive. Elle complète la proposition principale. Elle est donc recommandée d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter quoi? Que l'enfant soit exposé avant le coucher. Relie chaque expression de la colonne A à l'expression équivalente de la colonne B. Là, on a des expressions. Ici, ce sont des expressions équivalentes. Les synonymes, ça rend. Voilà, des têtes. En termes de l'âme. Usage abusif. Abusif des jeux vidéo. Là, on a استعمال المفرط. Ça, les jeux vidéo. Je veux dire ça. C'est l'utilisation exagérée des jeux vidéo. Donc, un narabtoha m'asté. Développer une dépendance, utawir idman, devenir accro aux jeux vidéo. Yusbih mudmin ala al'ab al-video. Donc, la deuxième narabtoha m'abé. Risque lié aux jeux vidéo, c'est danger relatif aux jeux vidéo. Akhtar al-muta'alliqa bi al'ab al-video. Recopier la bonne, les bonnes phrases. Quand on joue souvent aux jeux vidéo, on ne peut plus s'en passer. On est moins attentif en classe. On dort bien. On ne devient pas violent. Là, on a 4 تعابير. Quand on joue souvent aux jeux vidéo, عندما نلعب غالبا ألعب الفيديو, on ne peut plus s'en passer. ما نقدروش نتخلاو عليها. Vrai. لهنا هذه on va la recopier حين نقلبها على ورقة الإجابة. On est moins attentif en classe, راح نكونوا أقل تركيز في القسم. Vrai. هذه ثاني on va la recopier. On dort bien, ننام جيدا. Non. On ne devient pas violent, لا نصبح عنيفين. هذه ثاني خطأ. راح نقلوا la première et la deuxième phrase. Parmi les phrases suivantes, recopie celle qui résume le texte. Là, on a trois phrases. واحدة منهم راح تلخص لنا النص. Il faut laisser les enfants utiliser les jeux vidéo librement. يجب ترك الأطفال يلعبون بحرية ألعاب الفيديو. Donc, elle ne résume pas le texte. Il faut interdire aux enfants utiliser les jeux vidéo. يجب منع الأطفال من اللعب بألعاب الفيديو. Il faut apprendre aux enfants comment utiliser raisonnablement les jeux vidéo. يجب تعليم الأطفال كيف نلعب بعقلانية ألعاب الفيديو. C'est la meilleure réponse. C'est la troisième phrase qui résume le texte. Dans un titre au texte, عنوان للنص. لهنا النص باش يهضر على مخاطر ألعاب الفيديو. لي دونجي دي جو فيديو ولا لي ريسك دي جو فيديو. لي زانكونفينيون سلبيات. لي زانكونفينيون دي جو فيديو. عندنا بليزيور بوسيبيليتي. سيتياسيون دانتيغراسيون ولا لا برودكسيون إكريت. لانيفرسير دو طون جون فخير أبروش. اقترب عيد ميلاد أخيك الصغير. Ta maman décide de lui acheter un jeu vidéo. Omoka qarrarat an tashtari lahu jeu vidéo. Al'ab vidéo. Tu n'es pas d'accord sur ce choix. Anta dhid hadha l'ikhtiyar. Rédige un texte où tu justifieras ton point de vue en t'appuyant sur des arguments. Lahna rahin taktbou un texte, un petit texte. Fih ton point de vue avec des arguments. Donc tu y contre le choix de ta maman. Akvid Bachril Omtak la vidéo fi Eid Milad akhik. Donc fellow راح نمدو un titre au texte. Tu y contre donc راح ندير les inconvénients des jeux vidéo. Fellow tu vas présenter la thèse et donner des arguments. Par exemple, trois arguments. La fin, tu réaffirmes ou la confirmes
لاتيه راح تأكد الرأي تاعك. دونك اون فا فوار لي ريبونس. Ce texte parle des jeux vidéo. Ce texte de type explicatif à visée argumentative. Troisième, la thèse, il est important d'encadrer l'usage des jeux vidéo car certains comportent des risques et des pièges qui peuvent nuire à la santé et au développement de l'enfant. C'est la thèse. Les arguments, le premier, lorsque il est physiquement. Le deuxième, la luminosité, est-elle éveillée, quelle que soit l'irritabilité. Le dernier argument, les réponses vraies ou faux, vrai, vrai, faux, faux, nuire au développement, mettre au danger le développement de l'enfant. Le champ lexical du jeu vidéo, Internet. Qu'est-ce que l'Internet? La tablette, l'écran, l'ordinateur. Car le rapport, c'est la cause. Hat of plasta, parce que. Propositions subordonnées relatives qui peuvent nuire, que l'enfant peut adopter par la suite. Propositions subordonnées complétives, que plusieurs comportent violemment, violents sont, comportements violents sont possibles. Quand on joue aux jeux vidéo, on ne peut plus s'en passer, on est moins attentif en classe. À deux lignes de phrase. La phrase qui résume les textes, il faut apprendre aux enfants comment utiliser raisonnablement les jeux vidéo. Le titre, les dangers des jeux vidéo. La production. Là, le jeu vidéo, une nouvelle drogue menaçante. Idmen, Mukhadir, menaçante, Manaha, Khatar Mouhaddiq. Pour l'anniversaire, on va présenter le thème. Alors, je vais vous le texte. C'est une production. Pour l'anniversaire de mon jeune frère, je suis contre l'idée de lui acheter un jeu vidéo et cela pour plusieurs motifs. Là, pour plusieurs motifs, là, pour plusieurs raisons. أنا ضد شراء ألعاب الفيديو وهذا لعدة أسباب. D'une part, l'utilisation exagérée de ce jeu se répercute négativement sur le rendement scolaire. راح يأثر سلبيا على المردود الدراسي. En effet, plus qu'on est accro, plus qu'on est moins attentif en classe. قد ما نكونوا مرتبطين متعلقين بالانترنت راح نكونوا ما انتنتيف اقل تركيزا في القسم. Par conséquent, on n'aura pas de bons résultats. ما راحش نتحصلوا على نتائج جيدة. D'autre part, l'usage permanent de ce jeu provoquera des multiples problèmes de santé. الاستعمال الدائم لهذه الالعاب راح يأثر راح يؤدي إلى عدة مشاكل في الصحة. Trouble de mémoire, اضطراب في الذاكرة. Manque de vision, رؤية. Stress, توتر. Mais aussi un changement comportemental violent. راح يولي عندنا comportement violent. طبع عنيف. Enfin, ce genre de jeu pourrait même créer des problèmes au sein de la famille et des amis à cause de l'isolement et de la paresse. راح يدير مشاكل بين في العائلة ومع الأصدقاء بسبب l'isolement. الواحد يولي يحب العزلة, طفل يولي يحب العزلة et la paresse, الكسل. Pour conclure, لهنا la conclusion, on va réaffirmer le point de vue تاعنا, حين نأكدو رأي تاعنا. Pour conclure, les jeux vidéo représentent aujourd'hui un grand danger qui menace la vie de nos enfants. في الختام, les jeux vidéo تمثل اليوم خطر
يهدد la vie de nos enfants, حياة أطفالنا. C'est pourquoi nous devons y faire face pour en assurer un développement sain et naturel. لازم نحاربوه باه نضمنو تطور صحي وطبيعي. نهاية الفيديو. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء. إلى فيديوهات.